Moi, les vacances, j'aimais ça les passer chez mon grand-père et ma grand-mère dans le rang où ce qui restait. Mon grand-père, c'était un chanteur. Mon grand-père, il chantait plein de chansons. Puis il y en a une que je me souviens, ben il chantait seulement quand c'est le temps des fêtes. Puis il chantait ça de même. Comment font-ils ceux qui n'ont pas de maîtresse? Passent leur temps bien misérablement. Mais moi, je dis à ma belle, mais à l'ombre d'un joli rosier, il faut boire et lui parler d'amour. Il faut boire. Il faut boire et lui parler d'amour. Ben oui, mon grand-père, il chantait ça. Puis il se mettait à rire après, parce qu'il y avait des histoires en arrière de la tête. Un après-midi, que j'étais en vacances chez eux parce que mes parents avaient parti faire le tour de la Gaspésie, on avait passé l'après-midi à écraser des pépettes à patates dans le jardin. Puis pour me remercier d'avoir aidé, on s'était installé dans la véranda. Puis là, il m'avait offert une bouteille complète de liqueur aux fraises. J'étais après boire ça. Tout d'un coup, qu'est-ce qui monte pas les marches? Un vieux bonhomme. Vieux, vieux, avec une canne. Puis il était lette. Mon grand-père, il le reconnaissait. « Hey, bonjour Émile! J'y rentre, rentre! » Moi, j'étais tout surpris que mon père connaisse un vieux bonhomme de même. Mais le bonhomme... Ah, il dit bonjour, Médéric. Je m'en viens te demander encore la charité. Je me promène de village en village. Puis j'aimerais ça manger un peu. Ah, il dit, y a pas de problème. Il dit, va voir Marie, elle va te faire une bonne sandwich au porc frais. Là, je regarde mon grand-père. Puis j'ai dit, c'est qui ça? Mon grand-père, il me dit, ben voyons, il s'est Émile le quêteux. Un quêteux. Moi, je venais de Montréal. Alors, j'avais vu des guenillous, mais des quêteux, j'avais jamais vu ça. Fait qu'il est ressorti. Il a donné quelques nouvelles à mon grand-père des villages voisins, puis il est parti. Mais là, après ça, j'ai dit à mon grand-père, « Oh, mais du grand-papa, il dit, pourquoi t'as donné des affaires au quêteux? T'as donné des sandwichs, t'as donné du tabac, puis tu as même offert un petit verre de gin? » Mon grand-père, il dit, « Écoute, les quêteux, faut respecter ça. Tu, on sait jamais sur qui qu'on peut compter. Parce qu'à un moment donné, il y a des quêteux qui peuvent donner des sorts. » Moi, je venais de la ville, je suis plus intelligent que mon grand-père qui est d'un petit rang. Je dis, voyons donc, grand-papa, ça se peut pas, ces affaires-là. Même si j'ai 7 ans, je sais de qu'est-ce que je parle. Mon grand-père, il me dit, Rénal, va te conter une histoire. Puis là, il commence. Il dit, cette histoire-là, ça s'est passé quand moi, j'avais ton âge, 7 ans, dans le village juste à côté où je restais à Fortierville. Oui, 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 ça t'est passé dans le temps de l'aurore, l'enfant martyr. Ben, il dit, écoute bien ça. Il dit, un soir, à la brunante du mois de novembre, on voyait venir un quêteux qu'on n'avait jamais vu. Il mesurait 6 pieds 6, puis il avait un chapeau haut de forme. Puis tu sais, les quêteux, ça va pas à la place la plus facile, ça va pas au presbytère. Aller demander à charité au curé, c'est bien trop facile. Non, il avait été à la maison la plus grosse après le presbytère, la maison du notaire. Fait que le quêteux, il avait cogné. Toc, toc, toc. Pas de réponse. Il recogne encore. La porte, elle s'ouvre, toi. Sur une femme. Ben, pas belle-belle. Avec les cheveux tirés par en arrière, toi. Habillée en noir. Longue par-dessus ses souliers. Une grosse robe noire. Puis elle le regarde. Que si vous voulez? Madame Becsec. Ben, le quêteux, il demande, « Est-ce que vous pouvez me donner la charité? Le bon Dieu va vous la rendre au centuple. » Comment ça, le bon Dieu, me le rendre au centuple? Jamais que le bon Dieu a dit qu'il devrait donner à des quêteux. Il paraît que vous autres, vous donnez des sorts, puis tout ça. Vous êtes pas bons pour nous autres. Allez-vous-en! Allez-vous-en! » Une vraie Madame Becsec. Le quêteux, il dit, « Ben, il n'y a rien là, madame. Je vous souhaite une belle soirée. » Le quêteux, il est reparti. Il s'en allait quasiment à sortir du village. Mais à la dernière maison du village, il y avait une vieille maison qui était là. Puis on était sur l'heure du souper.
Puis dehors, il y avait plein d'enfants qui jouaient. Tout. Ah, il y avait des petites blondes, des petites brunes, des petites roses, des petites joufflues, des petites frisées, puis des petits gars. Puis ça jouait tout ensemble, puis il y avait du plaisir. Puis ça, c'était dans la même famille, les petits Bélangers. Le quinteux, il regardait la maison, la porte était ouverte. Puis il y avait une odeur qui sentait bon, qui sentait la maison. Il était cogné à la porte. Puis là, une grosse bonne femme qui a répondu avec le gros sourire. « Oh, bonjour, monsieur! Mon Dieu, vous êtes grand! Est-ce que je pourrais vous aider? » Ben, il dit, « Ma belle madame, il dit, moi, je suis un quêteux, je me promène de village en village. Puis je demande la charité pour l'amour du bon Dieu. » Ben, la belle madame, elle a dit, « Oh, ben, rentrez donc! Oh, Dieu, moi, j'ai 14 enfants, j'ai un mari, puis moi-même, puis je garde mon vieux grand-père. Ben, vous pouvez manger. » Parce que quand on a pour 17, on a pour 18. Ah, puis il est rentré. Il s'est mis à côté du poêle à bois parce qu'il commençait à faire frais. Ah, il dit, attendez-vous un peu, là. Il dit, mon mari, il est parti bûcher du bois avec mes deux plus vieux. Puis quand il va vous venir, il va vous servir un bon petit verre de gin. Puis il est certain qu'il va même vous donner un peu de tabac. Puis vous allez pouvoir manger avec nous autres. Puis coucher ici si vous voulez. Ah, quel bel accueil pour un quinteux. Fait qu'il s'est installé puis a attendu. Jusqu'à temps que le mari arrive. Le mari était tout content de voir un quêteux. Hey, des nouvelles histoires, des nouvelles chansons, des nouvelles des autres villages. Ah, oh, ils ont passé une belle soirée, ils se sont contés des histoires, ils se sont chantés, ils ont joué aux cartes. Puis le quêteux, on l'a fait dormir pas loin du poêle. On l'a bien reçu. Fait que le lendemain, ben, avant d'aller se coucher, le quêteux, il a dit à la madame, « Madame, demain, là, quand vous allez vous lever, la première chose que vous allez faire, vous allez pouvoir le faire toute la journée. » Tout le monde est parti se coucher. Le lendemain matin, le quêteux est parti. Ah! Elle, la madame, avec sa trollée de monde qu'elle avait à nourrir, la première affaire qu'elle fait le matin, c'est toujours faire du pain. Elle a commencé à faire du pain, à pétrir la pâte. Puis tout d'un coup, c'est comme une neige avant Noël. La farine tombait de partout. Elle a pu faire du pain, des beignes, des gâteaux, des brioches. Toute la journée, elle en a fait tellement qu'elle en a donné à tout le monde dans le village. Tellement qu'il y en avait, pour pas que ça se perde. Hey, ils ont pas fait de pain, puis de brioches, puis de gâteaux, puis de tartes pendant 3 semaines dans ce village-là. Quand Mme Becsec, elle a vu ça, puis elle a entendu parler de ça, elle n'a pas de bonne humeur. Parce qu'elle aurait pu avoir le quêteux, puis elle, c'est pas ça qu'elle aurait fait la première affaire. Ben non! Mme Becsec, c'est à compter de l'argent qu'elle aurait fait. Mais comme dans toutes les histoires, le quêteux, lui, il repasse quelques mois plus tard, en plein hiver. Il faisait fret à fendre une bûche tout seul avec ses mains. Il a cogné à la porte du notaire de Mme Becsec. Mme Becsec, elle a ouvert la porte. Elle a reconnu le beau quêteux. Oh! Ben c'est le quêteux que j'ai manqué l'autre fois. Le quêteux, il a dit, est-ce que vous me donneriez un peu de manger pour l'amour du bon Dieu? « Ah, bien sûr, vous pouvez même rentrer! » Ah, elle y a fait du jambon, des patates pilées, elle y a fait plein de choses qu'il aimait. Mais elle n'y a pas donné de rhum, ni de gin, ni de tabac. Puis elle ne l'a pas invité à coucher. Mais le quêteux, pour la remercier, il y a dit, « Madame, demain, lorsque vous allez vous lever, la première chose que vous allez le faire toute la journée. » Il a ri un peu, puis il est parti. Un quêteux peut connaître l'avenir. Le lendemain matin, elle avait déjà son idée de fête. Elle voulait compter d'argent. Puis pour pas perdre de temps, elle a dit à son mari, le notaire, « Attends-moi, je vais aller dans Bécosse, puis je reviens. » Le notaire, il a attendu. 10 minutes, une demi-heure, une heure, toi! Quand il a vu sa femme revenir à pas, il dit, pour moi, elle doit être constipée. Il a ouvert la porte. Puis qu'est-ce qu'il a vu en arrière de la grange, toi?
Un gros tas! Qui sentait pas bon? Ah, ben, bon Dieu! Il dit, pour moi, ma femme est en dessous de ça. Moi, c'est mon grand-père qui me contait ça. Voyons donc, grand-papa, ton histoire, ça n'a pas d'allure. Ça se peut pas, ça, des affaires de même. Ah, dis, ben oui. Elle dit, les quêteux, on sait pas qu'est-ce qu'ils peuvent... Non, dis pas ce que je veux dire, des quêteux. Mais que la madame est sortie, puis elle a fait des tonnes à bon toute la journée, ça se peut pas. Comment ça, ça se peut pas? Il dit, va voir en arrière de la grange des Brissons. Tu vas voir qu'elle a passé par là, que le quêteux a passé par là, puis regarde dehors. Oui, t'es un gars de la ville. On va voir dehors. On va voir ce qu'il y a à la grange des Brissons. En arrière. Ça pue être, oui. Ah, il y avait un gros tas. Ben, moi, tu sais bien, ça parle au yaourt. Il dit, mon grand-père avait raison pour moi, le quêteux a passé là aussi. Fait que là, je l'ai cru, mon grand-père. Mais, deux, trois jours après, mes parents sont revenus de la Gaspésie, puis je compte ça à mon père. Mon père, il me dit, ha, 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 il dit, ton grand-père, il dit, il en compte bien des histoires. Il dit, faut pas toutes les croire. Mais là, j'ai dit, ouais, mais je l'ai vu le toit en arrière des Brissons. Dit, on verra. Mais après ça, nous autres, vu qu'il reste pas loin de Trois-Rivières, quand on s'est revenu à Montréal, on a pris la 132. Ça, c'est l'autoroute qui longe, ben l'autoroute, la route dans ce temps-là, qui longe le fleuve. Puis il y avait bien des fermes dans ce temps-là. Puis en arrière des granges, vous devinez ce que j'ai vu. Il y avait des tas partout, toi, qui sentaient mauvais. C'est là que j'ai compris que c'est mon grand-père, il avait raison. Parce que le quêteux avait toutes faites les fermes, puis tout le monde avait passé par la bécosse avant de compter leur argent. Puis c'est là que je me suis rendu compte que le monde, toi, je te jure, qui veulent juste compter de l'argent, puis ils veulent pas perdre du temps. C'est ça que mon grand-père m'avait dit. Hey, c'est tout pour cette histoire-là. Mais attendez en revenant, on a une surprise pour vous autres.